give me a kiss to build a dream on. In my imagination, we'll thrive upon that kiss. Oh, sweetheart, I ask no more than this. A kiss to build a dream on. Give me. Bienvenue en ville, tu t'appelles Artichaut. Bon, Artichaut, enchanté, moi c'est Phil, le patron. Ah. Ah donc c'est le tenancier, alors c'est pas la tenancière. Alors, qu'est-ce que je te sers? Tiens, tu me vends de la bibine? Pas du tout. Ah. Bah écoute. Coca-Cola? Ça fait 2 dollars. Ouais. Tiens, voilà un pourboire. Merci, autre chose? Bah quoi de neuf? Ah, il se passe des trucs en ville? T'as des choses à faire par ici? Ouais, qu'est-ce qui se passe en ville? Qu'est-ce qui se passe en ville? Eh bien, deux petites frappes ont été enfermées pour avoir diffusé de la propagande raciste. Continue. Les purificateurs de la mine sont hors service. Ouais. Et quoi d'autre? Il y a des caravanes de partout. C'est à peu près calme. D'accord. Quoi de neuf? Oh, pas grand-chose. Il y a des choses à faire par ici? Des choses à faire, voyons voir. T'as l'air plutôt costaud, toi. Je parie que tu pourrais te mesurer au bras de fer contre Francis. C'est le mutant qui est assis là-bas. Ah, ouais. Je crois qu'il a un prix à offrir. Hein. Ça te dit, va voir Francis. C'est tout. Des gens ont disparu. Ah, on ne sait pas où ils sont passés. Si tu pouvais mettre la main dessus, tu y gagnerais. Tu veux commencer par là? Va voir Marcus. Autre chose? Les purificateurs de la mine sont en panne. Tu pourrais aller parler à Zaius, le chef de la mine. Ah, cool. Il y a toujours une caravane qui s'en va quelque part. Si tu veux t'y joindre, va voir Bill, l'armateur. Bon, à part ça, il n'y a pas grand-chose à faire dans ce trou. Désolé. Merci. On va fouiller un petit peu hein, quand même. Alors ici on a quoi? Que dalle. Des tonneaux, des bidons. Et là? Y'a rien de caché là? C'est chelou quand même ces bidons. Là y'a rien. Bon. Putain, mais arrêtez de vous mettre dans les embrasures de porte, quoi. Oh là 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 là, ils sont tellement nombreux. Alors, je crois que pour gérer le truc, je vais les foutre près de la voiture et je vais faire la ville tout seul. Parce que là, ils sont fatigants, hein. Allez, venez. Venez voir. Restez pas collé aux gardes, là. Ça va le stresser. Alors, bouge pas. Voilà, tu attends. Oh, mais ne fais rien qui ne me plairait pas. Ouais, ouais. Ici. Tu attends. Voilà. Well, alright then, I'll wait here till you get back. C'est ça. Voilà, Vic. Tu attends. Bien sûr, patron. Voilà. Et Sulik. Toi avoir besoin de quoi? Tu attends. Tu discutes avec Vic. Une petite sieste et causer grand-père esprit des eaux. Moi aller nulle part. Voilà, parfait. Tout compris. Bon bah voilà. Qu'est-ce que c'est que cet endroit?
Toi, mais qu'est-ce que tu fais? Barre-toi de là vite fait. Oula. Il avait l'air armé. Alors le puits. Le puits de la ville est construit avec des briques cassées et branlantes. Hein. Une odeur nauséabonde émane de dessous. Oh mais il y en a encore un là. De super mutants. Alors. Tu vois un vieux mutant costaud, à l'air un peu las. Il semble encore vigoureux et solide. On peut lui parler. Qu'est-ce que tu veux, l'humain? Oula. Mais c'est Marcus. Qui es-tu? Moi, c'est Marcus. J'ai aidé à construire cet endroit. Je suis shérif maintenant. D'accord. Ah, t'as participé à la fondation de la ville. Ça doit faire longtemps. C'est une longue histoire. Tu veux l'intégrale ou le résumé? Oh, bah, j'ai le temps. Raconte-moi tout. Bon. Après la destruction du maître des cuves, j'ai bourlingué un peu, j'avais nulle part où aller. Un jour, je me suis fait attaquer par un imbécile en super armure. Hein? Ah bon? C'est super, quelle ton histoire. Après la destruction du maître et des cuves. Ah ouais, il vient de Falotin. C'était Jacob, de la confrérie de l'acier. Oh là là. Il avait fait une sorte de serment de détruire les mutants. Nous nous sommes battus pendant... un jour ou deux. Ah ouais, quand même. Et puis au bout d'un moment, on s'est mis à rire. Ça rimait à quoi? Après, on est devenus amis. Mmh. Et on a mis les voiles ensemble. Oh. Et puis d'autres ont commencé à nous suivre. Ils devaient sûrement se dire que s'ils n'étaient pas en sécurité avec un mutant et un chevalier d'acier, ils ne le seraient nulle part. Un chevalier d'acier, quoi. Et vous, vous vous êtes installé ici, pourquoi? La mine d'uranium. Mmh. J'avais vu sur des vieilles cartes qu'il y en avait une dans le coin. Mmh. Tout le monde est le bienvenu ici. Ouais. À condition de se comporter correctement. On est peut-être mal jugé par les autres, mais personne n'est plus libre que nous. Et voilà. D'accord. Alors attends, t'étais l'ami d'un gars de la confrérie? Tu l'as dit. Le meilleur ami que j'ai jamais eu. D'accord. Je parie que t'aurais traité... Ah ouais, je parie que tu l'aurais traité exactement comme les autres. Ouais, je me serais gêné. Ouais. Quel grand mutant il aurait fait. Je crois pas qu'il apprécierait de t'entendre dire ça. On se disputait tout le temps à propos de ça. Ah, cette tête de mule me manque. Et alors la haine du maître envers les humains? Ça remonte à loin, tout ça. Ouais. Le monde a changé depuis. Ouais, c'est vrai. Tu veux que je te parle des temps anciens? Oh bah oui. Bon. Raconte. En fait, on n'a jamais vraiment détesté les humains. On était juste meilleurs. Ces nouveaux gouvernements, ils croient avoir la solution à tout, bla bla bla, on a tout fait, on ouais. a tout vu, on s'est battu. C'était quoi la meilleure solution? Le maître voulait tous nous élever à son niveau pour qu'on arrête de se battre. Mm-hmm. Il était convaincu qu'on ne le ferait pas de nous-mêmes, qu'on n'en serait pas capable. On devait nous forcer à évoluer. Ah bon? T'es d'accord? Tant que Jacob était vivant, je pensais que le maître avait tort. Mm-hmm. Certains hommes répondent à l'appel... D'autres fuient. Ah donc tu penses que le maître avait raison? Jacob a saisi sa chance, tout comme l'habitant de l'abri. Mais peu importe combien réussissent à s'élever, les masses les détruiront toujours. Pas vrai? Peut-être. Le maître voulait juste que tout se voit clair. L'habitant de l'abri a mis fin à ce rêve. Ah oui. On dirait que tu admirais l'habitant de l'abri tout en le détestant. C'est vrai. Ah. Si tous les humains s'étaient battus comme ça pour leurs convictions, on n'aurait pas eu besoin du projet du maître. Mais le maître voulait réduire l'humanité en esclavage. N'oublie pas que je connaissais les gars concernés. Ils étaient ce que l'humanité avait de mieux à offrir. Mais ton peuple a sûrement une autre version. Je me trompe? Peut-être. C'est faux. Oh, pour ce que ça change, ça fait déjà bien longtemps tout ça. Alors pourquoi haïssiez-vous les humains à l'époque? Tout ça. Le monde a changé depuis. Tu veux que je te parle des temps anciens? Non. Tu as besoin d'autre chose? Pourquoi ne m'attaquez-vous pas, vous les mutants? Mais de quel trou perdu tu débarques? Il y a bien longtemps que les mutants et les normands ont fait la paix. D'accord, je viens d'un village au nord-ouest. Je viens d'un village fondé par le premier habitant de l'abri. Le premier habitant de l'abri? Ouais. Tu veux dire celui qui a tué le maître et détruit ouais. les cuves? Ouais, c'est lui. Ouais.
Ouais, et comment ça? T'es pas de seul mutant, hein? Oh, pour ce que ça change, ça fait déjà bien longtemps tout ça. Bon, j'ai pas peur de Aucune toi, raison d'avoir peur dans ma ville. attention, hein. Comporte-toi en personne civilisée. C'est tout ce que je te demande. Bien Tu as sûr, besoin d'autre civilisé, chose? bien sûr. Qu'est-ce qui se passe dans le coin? C'est une longue histoire. Tu veux l'intégrale ou le résumé? Le résumé. Ok. Moi et Jacob, un humain, on a construit cet endroit autour de la vieille banque il y a environ 60 ans. Tout le Ouais. monde est le bienvenu ici. Mais on veut la paix. Super. Tu as besoin d'autre chose? Quoi de neuf? Quoi de neuf? Quoi de Ouais. neuf? Eh ben, je m'inquiète Bah un peu dis-moi. pour un de nos caravaniers, D'accord. Chad. Je crois qu'il détourne de l'argent. Ça te dirait d'enquêter pour moi? Quoi? Tchad détourne de l'argent? Je vais le faire. Super. Avertis-moi Avertis-moi quand quand tu auras trouvé quelque quelque chose. chose. Bien sûr. Tu as besoin d'autre chose? Quoi de Qu'est-ce que neuf? tu veux au juste? Il y a des gens qui ont disparu. Ah. Aucune idée de ce qui a pu leur arriver. Tu les D'accord. trouves et je te donne 500 dollars. Bon, je vais le faire gratuitement, mec. Super. Parce que c'est un choix bleu. Avertis-moi quand tu auras trouvé quelque chose. Oui, bien sûr. Là, tu as besoin d'autre chose? Qu'est-ce qui se passe par C'est une ici? longue histoire. Ah non, non, Tu veux non. l'intégrale ou le résumé? Non, mais... Tu as besoin d'autre chose? Tu veux En ce voyager avec moment, moi? avec tout ce qui se passe, c'est pas trop possible. Tu as besoin d'autre chose? Ouais. Quoi? Non, rien. Bon, bah, il faut enquêter sur Tchad. Et il y a des disparus aussi. C'est la prison, là, derrière lui? On peut rentrer? On peut. On peut entrer. On va fouiller. On check, voilà, que tout est bien ordonné. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Paquet de cigarettes. Poupée gonflable. Ah bah bravo, ils se mettent bien chez le shérif. La clope et la poupée gonflable. Bah je prends les deux. Hein. Bon, on verra ce qu'on en fait. Incroyable jeu. Rien à fouiller là? Déception. Il n'y a pas de bouffe. Un lit. Rien de plus. Oh, il a pas vu que j'ai piqué la poupée gonflable alors. Qu'est-ce qu'ils en disent en description? Une poupée gonflable. Ce modèle s'appelle Tandy. Ah oh non, Tandy, c'était la dirigeante de. C'était une des héroïnes de Fallout 1, ça. Plein de références à Fallout 1 là, dans cette ville. Normal avec des super mutants. Je t'aime. Qu'est-ce qui se passe? Petite sauvegarde. Petit coup de d'esquive. Discrétion. Rien ici. Ah, un tonfa. Est-ce qu'on peut s'allumer une clope? Ah ouais, on peut. Oh, énorme! Il y a une animation. Trop bien. Vas-y, je m'allume une clope, j'ai le briquet. Tu fumes une autre clope. Ouais, énorme. Comme tel Daryl hein, dans Walking Dead. Je mets ma clope, après je la jette. Alors, pourquoi on peut pas aller là? Qui c'est qui disait qu'il aimait quelqu'un là? C'est bloqué. Ah oui, parce qu'il y a une porte. Ah, mais c'est une grille. Je sens que je vais dégueuler. Qu'est-ce qui se passe là-dedans? C'est des prisons ou pas? C'est fermé.
Quelqu'un a-t-il mes lunettes de soleil? Oh punaise. Hein. Ah mais c'est verrouillé quoi. Tout est verrouillé. Ici aussi? Ah oui, c'est les prisons quoi. C'est les prisons. Mais alors là-haut, c'était quoi là? Je veux rien. Je nettoyais tes caleçons dégueulasses dans le puits de la ville comme d'hab. Oula, il y a embrouille là. Ah là, j'ai peur que ça parte en sucette. Petite sauvegarde. Il m'a menacé tout à l'heure. Hein. Il est là. Je peux t'aider? Je ne fais que passer. Ouais, bah va voir ailleurs, on a des criminels ici, va-t'en. Ok. Des criminels ici? Ah, ouais. Ici, on a qui? Alors, tu vois un jeune homme avec une barbe en bataille, des vêtements en loques et une lueur à la fois démentielle et confiante dans les yeux. Eh bah, punaise. Et ici? C'est une vieille porte à verrou, d'accord? Mais, ouais, le gars derrière, là. Un homme dépenaillé, sale et en colère. On dirait que son rêve le plus cher est de mettre une balle dans la tête de quelqu'un. Il a l'air d'un animal enragé. Et lui? Tu vois un garde alerte, un mutant plutôt bien armé. Ouais, mais ça j'ai vu, ouais. Tu veux te battre? Je suis une épave. D'accord. Est-ce que je suis allé checker ici? Non, pas encore. Hein. Bah, on va visiter. Bonjour, bonjour. Je me sens pas très très bien là avec la poupée gonflable sur moi. Je me sens coupable de quelque chose. Hein. Oui. Il y a quelqu'un ici? Je vais peut-être passer en fufu, hein, en vrai. Hein. Hop là. Pour pas déranger. Mais il y a personne. Personne ne dort ici. Allons voir. Hey! Ah bah il y a quelqu'un! Un vieil homme ratatiné portant une blouse de médecin. Un médecin? Et à côté, là, on a quoi? Bon, à côté, il n'y a que dalle. Bon. Allons voir le médecin. 5h du matin. Bonjour, bonjour, vous faites quoi, là? Il soigne des gens ou pas? Respiration bruyante. Hello, je suis le docteur Holiday. Que puis-je faire pour toi? Alors, que fais-tu ici? Quoi? T'es dans un hôpital, je porte une blouse de médecin, je suis en plein de sang, il y a des trucs aiguisés et pointus de partout. Je suis soit un tueur à succès, soit un bon docteur, fais ton choix. Bon, je suppose que t'es docteur. Tout juste, je suis médecin, c'est bon de voir que l'intelligence existe encore dans le monde post-nucléaire. Ah... Et elle te fait des siennes dans le corps d'un vieil homme de 70 ans. Tu peux voir une étincelle rieuse derrière ses lunettes. Ça se voit pas très souvent par les temps qui courent. Les jeunes, par exemple, sont dépositaires de ce que nos anciens savaient à une époque. Et ce qu'on refuse de vous dire, petit voyou. Il éclate de rire. La prochaine fois que tu as besoin d'aide médicale, ce sera sur le compte de la maison. Cool. Ah mais non, mais j'avais d'autres questions. Mais il a l'air sympa, lui. Alors, parle-moi de la ville. Alors, voyons voir. Je suis né ici il y a longtemps. La ville venait d'être fondée. J'ai appris adolescent à bricoler. Puis j'ai fait ça pendant un moment. J'ai rencontré une femme dont je suis tombé amoureux. Elle a été malade et elle est morte. Alors, j'ai décidé de devenir médecin. Oh là là, quelle histoire. Alors, je suis parti pour San Francisco, où j'ai étudié auprès des Chinois. C'est un vieil homme nommé Monsieur Fong
qui m'a tout appris sur la médecine. Il m'a aussi appris une certaine sagesse. Et que s'est-il passé? Ensuite, je suis revenu ici et j'ai vu Marcus bâtir la ville à partir des baraques de ma jeunesse jusqu'à obtenir la métropole tentaculaire que tu as devant les yeux. J'ai vu des gens grandir et mourir. J'ai vu des gens attirés par des promesses de richesse. Bref, j'ai vu l'histoire avec un grand H, ce qui signifie... cela signifie que je ne connais pas la plupart des nouveaux. La majeure partie de mes souvenirs ne sont que des souvenirs. Merci pour cette histoire. Non, merci à toi d'avoir écouté mes divagations. La prochaine fois que tu auras besoin de soins, on paiera la note. Ah, merci. Alors, des ragots ? Tu ne croiras pas ce que disent les gens quand ils ont mal. Ah ouais, vas-y, dis. Oh, pas grand-chose, en fait. Je te faisais marcher. Désolé, mais quand je me concentre pour soigner quelqu'un, je m'occupe en général... je m'occupe pas de ses secrets intimes. Oh, mince, zut. Et sinon, tu me vends des steampacks ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Un super steampack. Oh là là là. Il me faut de l'alcool, c'est vrai, il me faut de la bibine. Oh, comment je galère à trouver de la bibine, moi. Bon, il est cool, le doc, là. La prochaine fois que j'ai besoin de soins, c'est gratuit. Qu'est-ce qu'on a, là ? Petite sauvegarde. Bonsoir, bonjour. Salut, je suis Jacob. Le fameux Jacob qui a créé la ville avec Marcus. Le chimiste du bric-à-brac, du petit chimiste. Que puis-je faire pour toi ? Je voudrais acheter des médicaments. Est-ce qu'il aurait de l'alcool ? Pas du tout. Il y a plein de sous par contre, tiens. Je garde la poupée gonflable. Il la vend combien ? Il l'achète combien ? $50 seulement ! Et paquet de clopes ? $40. Je garde un paquet de clopes Fallout. Allez, 30. 30, je vends. Là, ça, c'est combien, ça? Lol. C'est 865. Ouais, d'accord. Eh ben, vraiment... Alors, rien d'autre? Oui. Que peux-tu me dire sur les collines brisées? Pourquoi ne commences-tu pas par me dire ce que tu penses des mutants? Je les déteste, je n'ai pas les idées claires à leur sujet, ou je les aime bien. Moi, j'ai pas les idées claires, parce que je sais pas si eux, ils sont pro ou contre. Oh, peut-être que si je te raconte la véritable histoire, tu changeras d'avis. Vas-y, raconte. Alors, dans ce cas, je vais te raconter la vraie histoire. Un humain nommé Jacob, c'est de lui dont je tiens mon nom, a fondé cet endroit. Ah, d'accord. Le mutant Marcus est arrivé et a placé tout le monde sous son joug. Ah ouais, dis-moi un peu plus. Il est au pouvoir ici depuis que le maître a été détruit. Il réprime tous ceux qui ne sont pas d'accord avec lui. Ou il les fait tout simplement disparaître. Oh là là. On dirait... que cette ville est civilisée, mais en fait c'est le théâtre de tueries perpétrées par des mutants assoiffés de sang. Trop d'amis à moi ont disparu pour s'être élevés contre lui. Oui, continue. On prétend tous que c'est une ville civilisée, mais tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Mais nous vivons dans la terreur des mutants. Chaque jour, il y a de moins en moins d'humains. Tous les mutants que j'ai vus semblent vieux et décrépits. Et pourquoi ne pas vous rebeller? Non, j'ai pas envie de lancer une rébellion. Ouais, ils sont vieux et décrépits quand même. Oh, c'est parce qu'ils essayent de te berner. Ok, merci. Ouais. Voilà, ça sent la rébellion à plein nez. Moi, je ne peux pas t'aider, mais Jacob, mon mari, oui. D'accord. Bon, on va pas fouiller devant eux non plus. Sinon, ils vont être en colère. Est-ce qu'on peut passer par là? Pas du tout. Où est-ce qu'il va? Où est-ce qu'il va, le bonhomme? Comment ça? Tu viens d'entrer dans le côté est. Ah non, mais attends, j'ai pas fini, là. J'ai pas tout fouillé, ici. Là, déjà, il y a cette maison, là. C'est par là qu'on rentre?
Oh là là, c'est de la maison de super mutants, ça. Qu'est-ce que tu veux, merde? Tire-toi de ma maison. Oh putain. Je veux pas t'énerver, hein. Je nettoyais tes caleçons dégueulasses dans les puits de la ville comme d'hab. Mais à qui il parle, hein? Hop, hop, hop. Une étagère. T'étais où cette nuit? Oh, Radaway. Ah voilà, c'est ça, c'est pour ça qu'elle lui dit. Je nettoyais tes caleçons dégueulasses. Bon, c'est une petite scène entre un couple de super mutants, on dirait. Bah, j'espère hein, que c'est deux super mutants. Tu veux t'en prendre une, femme? Le goujat, quoi. Hop. Un bipède tu vois un bipède mâle de l'espèce des Homo sapiens. Ah, j'aime une description précise comme ça. On va lui parler. Hé! J'y crois pas! À quoi? C'est quoi cette odeur? Certains de mes meilleurs amis sont des mutants et des ghouls. Ok. Oh! Oh, ça c'est beau ça. Tu m'en veux pas, hein? Il a rien dit. Ah! Mon félin a une haleine de pâté pour chat. Elle a un chat. La vie est rude, le torboyau de Phil ne devrait pas exister. Phil, il a du torboyau? Où ça? Où est Phil? C'est lui, Phil? Où est ma tourte de bramine, femme? Qu'est-ce que tu veux, merde? Tire-toi de ma maison. Attends. Je vais voir à qui tu parles. Ah bah ouais, c'est à une autre super mutant. Une femelle super mutante qui a l'air énervée. Je t'ai dit de ne plus manger de brochettes d'iguane. Ouvre la fenêtre, Burke. On peut fouiller, hein. Ça dérange pas. Hein. C'est bon. Cet endroit est un vrai boxon. Oh, des mantas. Oui. Ça vous coûte tellement cher. Rien à fouiller, là. Ah, ah. Ou le catspo. Et là? Alors on cache ces catspo dans les vases? Ok. Je sens que je vais dégueuler. Et on peut pas aller vers là, quoi. Qu'est-ce que c'est que ce bâtiment? On n'a pas pu rentrer dedans encore. Ah, 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 il y a une porte. Ouh, il y a du stuff. Ouh là là, il y a tellement de trucs à fouiller. Ah, il y a un mec. Tu vois, une espèce de chose mutante à la peau fripée qui arbore un sourire effrayant. Petit sourire, hein. On va lui parler, on va lui parler. Oui, bonjour. Mais que fais-tu ici? Que veux-tu? Qui es-tu? Je suis le superviseur de cette raffinerie. Que puis-je faire pour toi? Où suis-je? Tu es à la raffinerie des collines brisées. C'est là que nous purifions le minerai extrait de la mine. Ah, on peut acheter de l'uranium? C'est ridicule, on t'en donnera rien. Ok. Oh là là. Je peux rentrer quand même. Visiter. Ah, il y a d'autres gens. Les humains sont pas tous mauvais. Ah, voilà. Ah, cool, on peut passer par là aussi. Nice. Est-ce qu'on peut fouiller? Oui, on peut fouiller, on nous dit rien. Ah bah fouillons. Oh oui, 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 un livre sur l'électronique, je prends. Putain mais les drops ici. Un autre compteur GGR. Oh bah tiens. Un deuxième. Putain, je pensais pas qu'il y en avait plusieurs dans le jeu, mais si. Allez, on prend tout. Demain, aux premières lueurs de lumière, j'irai revendre ce que je viens de récupérer.
peut pas fouiller là. Bon. On s'en va alors.